Bonjour et bienvenue sur Cookmania. Aujourd'hui, je vais montrer comment faire le crumble aux pommes. Pour moi, c'est une recette très simple parce qu'il y a besoin seulement de quelques ingrédients qu'on a normalement dans son frigo ou dans son placard à cuisine. La recette est faite pour 6 à 8 personnes. Pour cela, il faut 3 grosses pommes, 100 g de beurre, 100 g de sucre et 200 g de farine. Étape 1, préchauffer son four à 180 degrés. Étape 2, on va beurrer le plat. On va peler les pommes. Pour aller plus vite, moi je coupe la pomme avec un coupe-pomme. On coupe la pomme en petits morceaux. On dispose les pommes dans le plat. Maintenant, on verse la farine, le sucre et le beurre. Pour le beurre, il faut penser à le sortir une demi-heure pour qu'il soit mou, comme ça. Pour ceux qui aiment, on peut rajouter du citron ou de la cannelle. Et on mélange avec les doigts jusqu'à obtenir une pâte un peu granuleuse, un peu sableuse. Voilà à quoi ça ressemble. On va maintenant répartir la pâte sur les pommes. Il ne reste plus qu'à mettre le crumble au four pendant 30 minutes. Pour ceux qui aiment toujours, on peut mettre par-dessus de la cannelle.